Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc sur le circuit de Watkins Glen en circuit court, donc avec la MP4 BC en GT3. Et donc en fait je vais vous faire une petite course avec 4 tours avec les adversaires, donc il y en aura 9. L'aptitude de l'adversaire, donc j'ai descendu à 70. Et la météo, donc dégagée, très nuageux, brumeux. Allez, c'est parti. Comme ça va vous permettre de voir un peu l'ordinateur comment il se comporte à 70. Et je trouve qu'il est très très linéaire, c'est-à-dire que aucune erreur sur un rail, il n'y a pas de problème. Et je vous dis que c'est très coriace, c'est très compliqué de faire la différence. Alors, je pense que tout va se jouer sur les réglages de la voiture, puisque j'ai fait plusieurs tests, enfin plusieurs courses, plusieurs fois. Attendez, le petit réglage qui va bien. Tac. Tac. Ok. Donc je disais, j'ai fait plusieurs fois la même course avec plusieurs véhicules. Et je vois que déjà selon le véhicule, c'est pas le même résultat. Et selon les réglages aussi, donc ce qui est, vous allez me dire ce qui est normal. Mais je trouve que même à 80, après il faut être mécano carrément. Ceux qui vont jouer un. Sans faire de réglage, ça va être très compliqué. Ça dépend de la conduite de chacun. Désolé si je parle pas beaucoup, mais bon, c'est vraiment de me concentrer. Le premier qui fait un parcours sans faute. Voilà. Vous voyez, dès qu'on fait une erreur, l'ordinateur il vient derrière, direct derrière. Try and take him under braking into the slow corner, but don't take too many risks. Comme jamais. You're 1 second behind the leader. See if you can force a mistake. Ouh là 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 là. Looks like there's one on your tail. Start defending your position. Cover the inside line and the braking areas. Toujours dans ma ligne de mire, mais je le rattrape pas. J'ai mal géré celui-là. Dernier tour pour faire la diff. Ouh.
You're just 3 seconds behind the leader. Keep pushing. Go for the win. Essaye de prendre des risques. Voilà, finalement j'étais tout le temps deuxième en essayant de prendre des risques, de prendre des virages un peu à l'intérieur, à l'extérieur, bref. L'ordinateur, c'est vraiment très compliqué de le mettre à l'amende. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.